Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va le devant de l'heure que vous avez regardé la vidéo. Je dis à nous porter une vidéo pour vous pour nous montrer aux grands sportifs qui ont été remis à l'Ontario. Et qui ça va devenir jeudi. Numéro 1, nous gagnons Ronnie Coleman, The King. Monsieur champion 8 fois Mister Olympia, il est classé parmi les meilleurs bodybuilders de tous les temps. Charge, monsieur, c'était qu'on a brisé, c'est charge que 6 mondes a dû élever. Plus de gros force, monsieur, t'es gagné avec un bon génétique et un bon corps qu'il t'a gagné. Monsieur, t'es qu'on a pris stéroïde. Et nous tous connaissons que stéroïde, c'est un produit dopant qui va utiliser là une force surhumaine, c'est-à-dire qui augmente 10 fois, alors, jusqu'à plus. Force monde qui apprend, c'est un bagage qui est tout à fait mal. Et par conséquent, les remontés dans l'âge, de temps en temps, on a senti quelques symptômes. Il est face à quand même mener la mort. C'est raison ça qui t'a expliqué nous pour que ça a un bon temps pour venir passer de ça. Ah ça, c'est en effet, stéroïde anabolisant n'a aucun grand effet. Et n'a pas de jour je dis à n'a pas que monsieur presque pas qu'à marcher, c'est mon cap de lever pied. Numéro 2, Jay Cutler. Monsieur c'était un apico culturiste et monsieur était très en forme. D'ailleurs, les champions 4 fois Mister Olympia. Et c'est lui-même qui était plus grand rival Ronnie Coleman. Je dis à 50 ans, monsieur passé de ça à ça. Et dans la dernière position, on a point Arnold Schwarzenegger. Monsieur c'est un apico grand bodybuilder. D'ailleurs, même Ronnie Coleman était confirmé pour lui une fois. Monsieur champion 7 fois. Et après qu'il était fini champion, il a lagué carrière dans l'affaire politique. Je ne dis à monsieur qui a 76 ans. Et monsieur passe de ça à ça. Merci pour le visionnage. Non, c'est tout ça que nous pour aujourd'hui. Dis-nous dans la section commentaire ça nous passe de vidéo. Ça, c'est nous qui avons plus la forme toujours.